Mais non. Mais non. M'aviez entendu, nous aurions évité ce dommage et toute cette perte. Certaines crises sont évitables si seulement on avait entendu Dieu au départ. Au verset 10, Paul leur dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Certaines crises sont évitables si seulement tu as pu entendre Dieu au départ. Beaucoup se retrouvent même dans des mariages crises. Mais si au départ on avait entendu la voix de Dieu qui disait ne va pas sur ce chemin, on aurait évité la crise. Certaines crises sont évitables. Tu n'es pas obligé de connaître un moment de crise si seulement tu es attentif à la voix de Dieu au départ qui t'a orienté. La Bible déclare malheureusement, Paul, il a parlé pour dire je vois que... Il y a quelque chose de mal qui nous attend devant. Faisons attention, ne partons pas maintenant. Attendons quelques jours. Mais la Bible dit au verset 11, le centenier a préféré écouter le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Malheureusement, dans ce monde, parfois, on préfère écouter certaines personnes qu'on juge expertes plutôt que la parole qui vient de Dieu. Mais si seulement nous pouvons mettre la parole de Dieu au-delà même de l'avis des experts, nous éviterons beaucoup de crises. Alléluia. Certaines crises sont évitables. Et Paul, dans la manière dont Paul présente la chose, il ne dit pas forcément « L'Éternel m'a révélé qu'il y a une tempête devant. » Non, il en donne juste un conseil. Il dit « Je vois, ô homme, je sens, je perçois, j'ai l'impression que ça ne va pas se faire sans péril. » Il n'a pas dit « Ainsi parle l'Éternel. » Lorsque Dieu avait parlé au verset 23, il leur dit clairement « Un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers » m'a dit que personne ne mourra. Mais au départ, il ne dit pas, Dieu m'a dit encore, un ange m'est apparu pour me dire qu'il y aura des dommages, ne partons pas. Mais il leur dit juste un conseil, avec un flair prophétique, j'ai envie de dire. Il leur dit juste que je sens que la navigation ne se fera pas sans péril. Frères et sœurs, il y a des gens que Dieu place autour de nous, qui ne sont pas forcément prophètes, qui n'ont pas forcément des révélations. Mais Dieu les dote d'une sagesse, savoir lire les temps, lire les événements, savoir percevoir certaines choses. Et parfois, il ne viendra pas avec un ton solennel pour te dire « Ainsi m'a dit Dieu ». Mais il peut juste te donner un conseil comme pour dire « Mon fils, j'ai comme l'impression que... » J'aimerais dire à quelqu'un, sois attentif à la voix de Dieu, même sous forme d'un conseil, car certains conseils sont prophétiques. La Bible parle d'un homme au nom de Achitophel, 2 Samuel 16, 23. Achitophel n'était ni Nathan ni Samuel. Ce n'était pas un prophète attitré. Yeah.
Promise you to always be a friend, to always be a lover, and to always be a supporter.